Salut, c'est Kaldo comme d'hab. Et on est de retour sur Uncharted Territory 3. Ouais, avec toujours un accent aussi terrible. Et donc depuis la dernière fois, j'ai fait pas mal de choses hors caméra. Je pensais en faire un montage, mais finalement, c'était pas vraiment passionnant. Les enregistrements n'étaient pas terribles. Donc plutôt que de vous montrer ça, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Tout d'abord, vous pouvez voir que j'ai beaucoup plus de... Enfin, j'ai un stuff un petit peu différent, parce que je suis parti récupérer les outils, tout ça. J'ai trouvé un ou deux coffres. Bon, j'ai 32 niveaux. Voilà. J'ai commencé à mettre en place une petite ferme alien, enfin ferme alien. Ouais, tout simplement poser des lianes en haut, les laisser pousser, tout ça comme ça me permettra d'en avoir. Pour ce qui est du stuff, voilà. Hop, faire le tour des coffres rapidement, donc si ça vous intéresse. Hein. Dans ceux-là, il n'y a pas grand-chose, non. Les fours, j'ai laissé quoi, rien dedans. Donc voilà. Sinon, dans les trucs que j'ai fait, bah, du coup, je suis reparti. Hop, rechercher tous les coffres du coup dans tout, bah, tous les niveaux, combien, toute l'introduction de la map. Hein. J'ai pris tout ce qui était la cobble, genre par exemple il y en avait par là, le bois, etc. J'ai pris aussi, par contre j'ai pas pris toute la brique. Je voulais essayer de prendre le plus possible de briques. Je vais prendre celle-là et celle-là aussi. Ça sert à rien, mais bon, enfin ça sert à rien si c'est des blocs solides, donc ça peut être pratique dans certains cas. Tout en haut de cette cascade là, il y avait un coffre caché. Ouais, il y en avait pas, je sais plus. Il y avait une cascade en haut de laquelle il n'y avait pas de coffre et une autre dans laquelle il y en avait. Et sur une des deux, je crois que c'est celle-là, il y a un grinder en fait. Enfin, un grinder, vous avez deux spawners à zombies vraiment très proches l'un de l'autre. Et du coup, vous pouvez vous en faire un grinder très simplement. Je crois que c'est celui-là, je vais aller vérifier. Tiens. Et vu que je vais passer ça à l'accéléré, bah écoutez, je vais m'amuser à dire de la daube en même temps. Comme ça donnera un aspect sûrement rigolo. Donc bonjour, je m'appelle Goldok. Tous les jours, je vise à l'accéléré, parce que je suis pressé en fait. Donc du coup, bah, je vis à l'accéléré, c'est pas facile. De temps en temps, faut même me passer au ralenti pour pouvoir me comprendre. Et quand j'arrive en haut des cascades, et bah, généralement, j'y trouve. Voilà, des pancartes sans coffre. Donc c'est ce que je disais du coup. Voilà. J'ai laissé les pancartes, tiens, avec marqué. Vous pouvez tout juste deviner les mots. Pensiez-vous vraiment trouver quelque chose ici? Qu'est-ce que ça peut bien dire? Et en fait, si vous voulez, au-dessus il y avait juste deux spawners avec un coffre avec genre un stick dedans, je crois. Et bah voilà, en fait, tout simplement, du coup, je m'en suis fait un mini grinder. Pour le moment, j'ai que dalle, donc du coup, bah c'est plutôt pas mal. Enfin, j'ai pas d'eau ni rien, je peux pas vraiment mettre en place un vrai grinder comme j'en aurais fait avec un spawner sur une map vanilla, mais bon, c'est déjà ça en fait. Et l'intérêt de faire ça, c'est que ça va me permettre de récupérer déjà quelques niveaux de temps en temps. Et avec un peu de bol, je trouverai aussi. Ah, ça, par contre, c'est pas terrible ça. Je vais mettre ça à la place, tac. Avec un peu de bol, je trouverai aussi de temps en temps des carottes ou des pommes de terre. Je sais que des carottes, j'en ai déjà récupéré une. Donc c'est plus des pommes de terre que j'aimerais bien avoir. Voilà. Hop, les celui. Je verrais mieux au moins s'il y a du loot. Donc voilà, en tout cas, c'est plutôt pratique. C'est pour ça que j'ai plein de niveaux. Sinon, je crois pas qu'il y avait grand chose à d'autre. Voici un coffre avec un stick et c'est tout. Donc voilà. Sur ce, et bah, nous on va retourner à l'intersection. Et bah, du coup, on va entamer un des niveaux. Je suis allé dans aucun des niveaux qu'il y avait. Hein, j'ai attendu de les faire, comment dire, d'enregistrer cet épisode pour aller dedans, du coup. Donc, du coup, bah, hormis quand on avait regardé vite fait au premier épisode, je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais me décider là, vite fait, sur lequel prendre. J'ai pas mal de blocs sur moi, juste reposer vite fait 2-3 trucs rapidement. Comme ça, par exemple. je gardais du bois sur moi. Les blocs, je vais. Allez, je vais juste prendre ça avec moi, ça suffira. J'ai ce qu'il faut en termes de torches. J'ai pas envie de prendre du charbon sur moi. Au pire, je pense que j'en trouverai. Niveau nourriture, allez, qu'est-ce qu'on va prendre en plus? Allez, on va prendre ça. J'ai fait cuire 2-3 trucs, donc ouais, je prends ça. Tiens, allez, tac, comme ça sera nickel. Et sur ce, et bah, du coup, c'est parti. Mon pantalon est juste. Qu'est-ce qu'ils vont claquer? Je préfère bien me préparer plutôt que devoir faire plein d'aller-retour. Juste prendre ça avec moi. Et pour le reste, je suis bien. Ouais. Et hop, c'est parti du coup. Donc, alors, laquelle des trois on va faire? Overground Hollow, donc ça c'est de la Logien. Dusky Grove, ça c'était le truc avec de la lave, ça c'est la végétation, et ça c'est la tour de la lumière. Les trois, ceux qui me semblent le plus accueillant, paradoxalement, c'est celui avec la lave. Ça m'a l'air d'être moins ouvert que celui-là et moins grand que celui-là, donc on va aller voir celui-là. Hop, les. Donc, ça, j'avais déjà lu la dernière fois, la flemme de le retraduire. Voilà. Hop, les, c'est parti du coup. J'ai posé ouais, des torches la dernière fois déjà. Juste m'assurer d'avoir bien les blocs et la lave. Enfin, pas la lave, la nourriture. Déjà là-bas, je vois un truc qui ça me donne envie d'aller voir.
Si j'ai pas une torche et du spawner, déjà il y a des enclumes, tiens, c'est bien ça. Voilà, hop, là-bas j'en vois d'autres. Tac, on éclaire vite fait. Voilà, comme ça, normalement ça devrait être bon. Alors on va commencer par regarder ce qu'il y avait dans ce coffre. Ok, nice, pas le bon stuff. J'ai les. Ah, quoi que ça, je peux prendre à la limite, ça fera de la nourriture toujours. Pour le reste, je vais laisser pour le moment, comme d'habitude, hein, je viendrai prendre ça plus tard. Salut, j'ai pas d'arc. Zut. Hey, ramène-toi. Ramène-toi. Salut. Ouais, les nice. Bon, alors c'est que c'est un peu trop sombre. Ouais, ok, d'accord, c'est bien ce que je pensais, c'est par là. La vache, il m'échire lui. Il n'a pas d'être casse-moi au-dessus, non. Ok, d'accord, bah pourtant il m'a mis vachement cher. J'ai pas regardé dans l'histoire, c'est spawner zombie, squelette. Il y aurait moyen de ça faire un truc. Ah, d'accord, c'est ici qu'il y en a un autre. Va falloir que j'éclaire mieux que ça d'ailleurs en haut, mais bon, ce sera du ça. Meurt et ne revient jamais. Je crois que c'est ça qui dit quand s'appelle Scar à Mufasa, je sais plus. bon, tant pis, ce sera suffisant. Donc, dans l'histoire, j'ai pas pris le stuff qu'il y avait ici. Ouais, je vais laisser ça. Au pire, je reviendrai plus tard. À la limite, s'il est fait, je peux prendre. Tiens. Ah, il spawn encore en plus. Hein. Et je suis lourd en vie déjà. C'est ouf. Et dégage aussi. Je vais manger ça. On va poser une torche là alors. Voilà. Ce serait peut-être mieux comme ça. Bon, bah on va continuer du coup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient dans les fours d'ailleurs pendant que j'y pense? Non. Ça fait quoi? Oh. Ok. Ok. Ouais, et donc voilà, ça m'apprendra. L'enclume, c'est cool, il y a du bon stuff par là. Et comme d'habitude, je vous prendrai les trucs qui m'intéressent un petit peu plus tard. Je n'ai pas envie de surcharger mon inventaire pour le moment. Hop là, ok. Donc du zombie par là. Salut. Donc là, je suis sûr que ça va être encore un autre piège. Les petites baisses de FPS comme ça m'énerve. Je vais sûrement réduire ma distance d'affichage. Donc pour info, je suis en 1.7.4. Pour le premier épisode, je crois que j'étais en 1.7.3. Et du coup, c'est assez stable. J'activerai en dernier. C'est assez stable. Il y a juste quelques petites baisses de temps en temps de FPS. Tiens, nice. Protection 3. Ouh, il est mieux celui-là. Il est bon truc aussi. Je vais essayer de partir des flèches, ça sert à rien. Ouais, cette fois-ci, ça le fait pas. Dégoûté. Il y a quoi dans les fours, vite fait? Non, pas grand-chose. C'est juste décoratif, j'ai l'impression. Donc, ouais, je descends rapidement ma comment dire, distance d'affichage. Donc, de chunk. Hop, voilà. Ok, on va descendre. Ok, d'accord, du zombie. Salut, ça va la pêche. Tiens, en plus, c'est cool, il fait spawner du pote. Oh, excellent, le zombie là-bas qui se fight avec le squelette. C'est cool, ça. Voilà, je pose un petit peu d'éclairage en attendant. Ok, donc là on a encore un coffre. Pour le moment c'est plutôt calme hein, comme premier niveau. Enfin, c'est un niveau de début. Donc c'est toujours de la TNT là-bas. Je me demande si c'est de la TNT piégée ou si c'est de la TNT que je peux prendre. Il est très bon bouquin par là. Je vois beaucoup de ces trucs là. Et ok, d'accord, donc c'est apparemment c'est de la monnaie. Monnaie nazarienne. Bon, il y a des bons trucs. Et j'ai pété une épée. Vite, voilà ça. Voilà, c'est cool. À la limite, ils vont se fighter entre eux. Ah, tiens, si pouvait tuer le creeper en même temps, à la limite, ça m'aiderait. T'as pile le tuer, on peut. Non. Bon, bah, ça sans raison un problème. Ça sans raison un autre. Voilà. J'ai déjà la nourriture qui s'effondre. Voilà. Vous mourrez, vous deux. Voilà, nice. Posez ça rapidement. J'ai l'impression que ça vient d'en haut. Pourtant, j'avais éclairé. Non, ça vient d'en bas, d'accord. Il y a beaucoup de monde. Mais tiens, je vais me servir de ça vu qu'il y a knockback dessus. Je pourrais les pousser plus simplement dans la lave du coup. Et ça, juste au cas où, je vais faire ça rapidement. Voilà. Comme ça, j'aurai pas trop de monstres qui viendra de là. On va continuer par là, nous, pendant ce temps-là. Ok, d'accord, un creeper, des araignées. Donc les creepers me font flipper vu qu'il y a quand même il y a quand même de la TNT pas loin. Et lui, en plus, il arrive sur le rebord, quoi. C'est abusé, ça. Est-ce que tu peux mourir? Non, tu peux mourir. Aïe. Le fait de ne pas avoir d'arc non plus, enfin ça va être assez gênant. Ça. Ah, lui j'ai peur, il me fait flipper lui. En fait il est gênant là où il est. J'ai pas du fil quelque part, si je récupère cette fil pour me faire mettre un arc. Ce que je vais faire d'ailleurs. Parce qu'en fait j'ai cassé le mien, celui que j'avais à l'épisode précédent, je l'ai cassé et du coup bah voilà.
Hop, tac, voilà. Juste esquiver ses flèches pendant quelques secondes, le temps de me manger un morceau de steak. Voilà, ça toi tu tombes. Bon, déjà ce sera plus simple. Ensuite, le squelette qui est là, là. Lui, l'important c'est qu'il puisse pas passer. Un autre qui puisse me servir ici, ça lui dégage. Il y a un autre chemin, tiens, par là. Ok, c'est intéressant. J'espère juste que lui il viendra pas m'embêter plus tard. Lui là, voilà. Hop, c'est ça que je voulais faire à la base avec l'arc. Et on va atténuer du coup les. Enfin, arrêter les spawners. Non! Oh! What? Il m'a pété la tronche comme ça? Il m'a tué en un coup? C'est quoi ce télé? Oh, sérieux? Je me demande si je suis pas en. Ouais, si je suis en hard. Ok, ça va prendre. Je vais me mettre en hard en fait pour le let's play. Bon, bah voilà qui m'apprendra. Je vais prendre ça vite fait. Ah, j'espère que je retrouverai au moins une partie de mon stuff. Voilà. Des blocs. C'était un peu idiot de ma part en plus de rusher comme un malade. Bon, tapis. Ouais. Bug de chargement. Bon bah voilà, première mort du coup. C'est double erreur de ma part. La première, ça a arrêté de jouer en hard alors que je voulais jouer en normal. Deuxième erreur de ma part, c'était de comment ça s'appelle, de rusher tout simplement parce qu'il y a plein d'explosifs. J'aurais pas dû rusher. C'était franchement débile. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je vois de l'XP. Donc, déjà, ça, c'est mon XP, ce qui est cool. Bon, je suis pas l'air d'avoir pour mettre trop de mon stuff. J'ai eu beaucoup de bol. Je vois pas mal de stuff qui tombait en bas. Oh, j'ai pas récupéré grand chose en fin de compte. J'ai mon arc, j'ai mes torches, j'ai ma nourriture. J'ai mes pioches. Ça, c'est cool, ça. J'ai pas récupéré l'antidote, tiens. Bon. Bon, on va faire avec ça déjà. Ouais, j'avais pas une hache non plus, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, du coup, bah là ça spawn moins déjà, c'est qui cool. Voilà. Et j'aurais pas dû. Et je prends des risques inconsidérés. Moi. Ouais, de la TNT, nice, excellent, des œufs de creeper. Levier, tout ça. Comme ça, par hasard, non, que dalle là-dedans. Bon, ça c'est cool aussi, du coup. J'ai du. Je sais pas si j'ai du stuff ou c'est juste des blocs. Je vais faire ça vite fait. Hop, poser ça là. Pas mal de vrais cobble un peu partout, ça sera pratique aussi. Non, ça c'était pas piégé non plus. Spawner ici. Du coup, ici j'ai pas regardé ce qu'il y avait. Ok, il y a eu un bon truc sympa. Je prends la nourriture, tout ça. Le reste, je vais laisser. Ok, d'accord, bon. Première mort. Ah, ça m'énerve un peu. Je me demande si je peux. Par où est-ce qu'on peut descendre? Par là. Ok, d'accord, ça descend encore après par ici. J'ai laissé quoi du coup dans ces trucs là? Pas grand chose. Bon, on va continuer à descendre par là alors. Il y a du bébé zombie, est-ce que je vois? Si toi tu pouvais dégager aussi, lui va m'attaquer. Salut. Lui aussi va m'attaquer du coup. Salut. c'est pas facile de s'occuper de tout ça en même temps. Bah, il va falloir que j'éclaire un petit peu la situation. Voilà, ça c'est fait. Ouais, ouais. On a de la TNT. Ils nous offrent pas mal de TNT. Zut. Sachant que les ennemis sont en dessous. Je me demande si je peux pas juste tout simplement larguer la TNT. Ça sera peut-être plus simple. On a des fers à charge qui plus est pour allumer tout ça. Ouais, c'est ce que je vais faire, je pense. Voire même, on a un levier, donc c'est encore mieux. Salut, toi t'es pas dans le du tout non plus. J'ai perdu mon lacérateur, ouais j'ai perdu le lacérateur. Donc je vais regarder rapidement, je crois qu'ils sont quelque part par là. Alors ici on a un spawner qui est juste là. Ok, donc ça je vais reboucher. Voilà tout d'abord, hop levier. Bouya. Je suis pas resté au-dessus. ouais c'est bon, ça fait un petit peu plus de dégâts que prévu. On va regarder rapidement de là si je peux pas en voir d'autres. Alors il y en a qui sont encore plus bas. Ok. Je vais regarder vite fait par là pour voir. D'accord. Ah si, tiens, là il y a un spawner, mais il y a un coffre à côté. C'est un spawner à creeper par contre. Tiens, ici on en a un net, un spawner à squelette encore. Donc je vais le faire péter aussi. Si je trouve ma tente. Voilà ici. Tac. Nice. C'est cool comme qu'il nous donne de la TNT, ça facilite vachement la tâche. Voilà. Reboucher de nouveau.
Et ici, du coup, ok, une enclume. Bon, je pense que ça va être assez clean. J'ai pas envie de faire péter le spawner à squelette parce qu'il y avait, il y avait du coffre juste à côté. Là-bas, j'ai encore beaucoup de spawners. Tiens, donc à la limite, il faudra que je rebouche cette zone-là, si possible, et que j'éclaire au moins le couloir qu'on a là. Ouh, oh, vache, ça va être chaud ça. Ouais, s'il pouvait tomber au minimum, ce serait bien déjà. Ah, je me prends des coups de je sais pas trop où en plus. Ah, toi tu meurs, toi tu tombes, toi aussi, merci. On va essayer de rusher un petit peu. Allez, allez, nice. Allez, tombe, allez. Dégage, dégage, dégage. Ah, sans déconner. Ouais, toi tu tombes. Allez, toi tu meurs, ça c'est clair. Ça je veux pas que ça arrive. Non! Pas que je rush comme ça, c'est stupide. Aïe 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 aïe. Oh la vache, il fait mal lui. Je prends cher là. Waouh 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 waouh. Il va. Oh, j'ai récupéré une pomme de terre. C'est cool. Allez, allez, descends. Meurs, 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 meurs. Ah, sans déconner, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me reposer. Je vais mourir. J'ai une potion de soin dans mon inventaire et j'aurai pas le temps de la voir. Vite. Hop, tant pis, je la bois. Je la bois, je voulais la garder pour plus tard, mais tant pis, c'est pas grave. Ouh, mon stuff. Mon stuff a pris super cher. Je vais me faire un plastron, vite fait. Voilà. Le nombre de flèches. Ouh, vache. Bon, on a le temps de se poser, vite fait, on va recharger. Hop, c'est cool, lui il est mort avec des dégâts de chute. Ça, ils pourront pas passer par là. Ici, c'est plus ou moins sécurisé. Voilà. Oh, le nombre de zombies qui spawnent. Il y a un spawner à zombies qui est juste là. C'est cool, c'est pas un spawner à creeper. J'ai bien sécurisé derrière. Ouais, ça va. Ici, il faudrait vraiment que je pose une torche. Voilà. Nice. Et hey, toi, tu meurs, s'il te plaît. Merci. Ici, on va en poser une aussi. Voilà. On va en poser une par là. Là, ça, c'est mon levier de terre. Ok. Et hey, j'ai déjà plus de torches. Vache, c'était chaud quand même. Et ça, c'est qu'une zone de début. oh, nice, des torches. Tiens, juste quand j'en avais besoin, une pomme en or. Excellent, je vais la laisser là parce que j'ai peur de la perdre. Mais comme d'habitude, je reviendrai prendre ça plus tard. Ok, j'ai quasiment plus de blocs. J'ai ça à la limite. Juste poser ça vite fait. Ok, je peux récupérer les blocs qui sont là à la limite. Et comment t'as réussi à spawner toi? Sans déconner. Ici, tiens, une enclume qui est quasiment pas pété. Que dalle dans les dispensers. Tiens, alors pourquoi est-ce qu'il en a mis? Oh, nice, du charcoal. Je pourrais me faire comme ça. Hop, les ça. Plus de torches. Ok. Et je suis en train de me dire que les redstone lamps, on peut s'en servir aussi pour faire un petit peu d'éclairage. Il y a un coffre là, un minecart coffre là-bas. Je l'ai vu celui-là. Excellent. Ok. Pas le torche ici. Je vais poser ça comme ça plutôt. Donc lui, il vient juste de spawner sous mes yeux, je crois. Ouais, il est là. Faut que je me serve de mon arc plus souvent. Voilà, c'est carrément plus simple. Hop, je vais casser ça rapidement. Nice. Ok. Oh non, sans déconner. Sans rire. Ah, oh, c'est super tôt ça pour des blazes quand même. Hein. Je veux pas. Je veux pas dire, mais bon. Vache, déconne pas. Bon. Il va falloir éclairer ça le plus vite possible alors. C'est abusé, il y a un spawner à blaze là. Et là, il y a un spawner, je sais pas quoi par contre. Il y a beaucoup de mobs. Oh. Allez, allez, hop, tu meurs s'il te plaît, merci. Toi salut, le feu qui s'éteint, zut, je comptais dessus pour rester tout le temps là. Hop, qu'est-ce que moins. Par contre on a beaucoup de charbon, ok, d'accord, ça c'est juste un spawner à zombie, donc si je l'éclaire ce sera plus un problème. Voilà, ah, il y a un spawner à blaze juste là. Non, 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 non. Salut. Presque plus de pain déjà. C'est abusé ça. Bon, on va déjà commencer par shooter le blaze. S'il veut bien rester assez statique, voilà.
Je vais rusher et essayer d'éclairer. Je crois que c'est par là qu'il spawn. Voilà, hop, ici. Voilà, tu as des blaze rods, c'est cool. Il y a un coffre là. Salut. J'ai vu un spawner à blaze là-bas, donc je vais reculer un petit peu de, en attendant, mais il y a un coffre, tiens, juste là. Tiens, toi tu tombes. Ah, merci, tu reviens jamais. Comment t'as fait pour spawner toi? Ah ouais, c'est vrai, les spawners à blaze, il faut les éclairer. Il faut les éclairer comme un gros malade en fait. Du coup, il va falloir que je les détruise. Ouais, j'ai pas besoin de farmer. De toute façon, le blaze, j'ai pas besoin de farmer. L'XP, je m'en fiche. Parce que de toute façon, je peux en avoir juste en jouant. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais à 32 niveaux. Les blaze rods me serviront à faire des potions, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Non, non, non. Je pense que de toute façon, à mon avis, encore celle-là m'a pas touché. À mon avis, des blazes, on en reverra loin sur la map. Donc, autant supprimer ce spawner-là le plus vite possible. Voilà. Un spawner en moins. On a du charbon partout, ça c'est cool. On a aussi des creepers partout, c'est moins cool. T'as ici du charbon, c'est pas mal. Mais les creepers, c'est pas terrible. Ici, ça va s'éclairer, ça risque rien. Ok, c'est chaud quand même un petit peu pour un début de map. Torche là. Ok, on va commencer déjà par le fracasser lui. J'ai quasiment plus de torche, donc je vais la recharger en torche, je pense. Je vais supprimer ça. Ah, j'ai le temps de péter le spawner, c'est cool. Je vais la recharger en torche. Ouais, parce que j'ai pas de quoi me refaire. Je vais la recharger en torche et comme ça, et ben, on va surfaire cette zone là alors. Avant de retourner vite fait à la zone où on était, j'ai envie d'aller voir celle-là en fait, parce que ça a été complètement sorti de la tête, mais ça a l'air intéressant, il y a des coffres. Donc, on va aller voir aussi. Nice, je peux faire ça. Voilà, parce que j'ai pas franchement confiance en ce genre de pont-là. Je vois une mine avec du charbon par là, tiens. Enfin, une mine, en tout cas une caverne. Et je vais avec le stone devant. Hop, je vais tracer un petit peu. Je vais juste faire ça au cas où pour pas te déranger. Alors, on est... What? Ok. Oui. D'accord. Ça s'est fait, ça m'a fait flipper ça. Tiens, toi, si tu pouvais mourir justement. Bon, il y a un truc qui vient de péter, je sais pas trop quoi. Et en fait, j'étais en train de me dire, ouais, on est très dangereux, on est dangereusement bas en termes d'équipement. Il ne faut utiliser qu'en cas d'urgence. En parlant de ça, en fait. Ok, d'accord. Ouais, bah justement, comme il dit, hein, n'utilisez qu'en cas d'urgence. Je vais les garder. Ça, c'est. Ouh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. À la limite, ça peut me servir, vu qu'il y a pas mal de lave et de flammes autour. Ouais, pour le coup, ouais, je vais me faire de ça. Je vais garder juste par contre ça pour le moment. C'est quoi? Pareil, mais je vais garder la fire résistance. Et si jamais du coup faut que je claque ma fire résistance, et eh ben je prendrai je mettrai le reste de l'armure à la place. D'accord. Bon bah du coup ça je vais boucher. Ici il y a un trou tiens apparemment qui mène au ciel, parce que je vois la lumière du ciel. On a un spawner, un creeper qui est juste là, qui vient de s'activer d'ailleurs. Salut, ça va? Tranquille. Salut, la pêche, bien, tranquille. Voilà, merci. Tiens, toi aussi, Amit. Voilà, merci. Ça, c'est cool, ils me permettent de péter le spawner sans avoir à faire d'efforts. Ici, c'est dangereusement sombre. Là, on a quelque chose ou quoi? Non, juste avec le stone. Bon, ok, d'accord, ça, c'est cool. J'éclaire jusque-là. Du coup, là, il y a les escaliers qui descendent. Donc, ça mène à la fameuse caverne que j'ai entreaperçue, alors. Je sais pas trop ce que c'était dans l'histoire, les explosions. Ça fait pas mal flipper. Bon, ok, ça c'est cool. Ouais, donc en fait, on arrive au même endroit que. Julie. On arrive au même endroit que. Comment ça s'appelle? Là où j'étais juste avant en fait. Avant d'être parti chercher des torches. Si on continue d'avancer par là, faire du bloc, on arrivera au fameux rail. Oui, hop là, les rails descendent et là-bas en fait, bah oui, on voit les torches, ça là où il y avait les blazes. D'accord, bah ça c'est cool à savoir. Bon, cette zone là, je pense que j'essaierai de virer l'éclairage. Pour le moment, je laisse ça, mais peut-être que si j'ai du mal un petit peu ou que
ou que je mets trop de temps sur la zone, je virerai l'éclairage qui est ici, comme ça fera spawner plus de mobs ici naturellement que vers là-bas en fait. Voilà, juste rapidement. Cœur. Sympa ça, sympa. Je vais prendre ça vite fait. Voilà, les pioches, je vais les laisser. Beaucoup de charbon, c'est cool. Je vais en avoir besoin. Ok, ça a l'air bien éclairé. Il y a de la TNT en bas. Ok, du creeper et du squelette. Il y a du spawner surtout. Salut. Hop, voilà, je vois le spawner. Ah non, je l'ai pas vu en fait. Tiens, là j'en vois un par contre, juste derrière le squelette que je suis en train de tuer. Salut! Oh, ils ont des effets. C'est quoi ce délire? Allez, meurs. Meurs, s'il te plaît. Voilà, merci. Il a droppé son armure, ça c'est nice. Et lui, il l'a récupéré. Ça c'est moins cool. Il a droppé une pioche en. Non, mais. Pff, voilà, c'est où il est mort. Trop dangereux. Trop dangereux, je remonte. Voilà. Ils sont en train de se battre entre eux. Bon, j'ai rien qui m'arrive de derrière. Toi, tu descends, s'il te plaît. Allez. Là. Ouf, il fait mal en plus. D'accord, donc là, il y a des trucs bizarres. Salut. Ok, ils sont pas morts, ils sont juste en bas. Je sais pas si c'est force ou la vie qui a. Je pense que c'est de force. Là, il y a un spawner là. Il doit y en avoir un sur la gauche aussi. La torche super utile. je vais reprendre celle-là. Allez. Zut, je vais récupérer le pantalon de l'être. Et dans l'histoire, il m'a supprimé tout l'éclairage que j'ai commencé à mettre. Voilà. Si tu pouvais tomber, s'il te plaît. Il y a plein de stuff au sol, du coup. Voilà. Allez, on meurt. Éclairage. Voilà, ici. Là. Je pense que c'est bon. On va prendre un tout petit peu de recul rapidement. Là il y a un spawner là, je viens juste de le voir. Ouais, c'est un spawner, un truc bizarre. Je sais pas trop si je devrais les supprimer ou les garder pour les farmer plus tard. Donc quoi, protection 2, respiration, c'est déjà mieux que ce que j'ai. Des pioches en fer, mon épée en pierre est bientôt morte, donc je vais en utiliser une autre. Bon, on a bien éclairé la zone, ok, là on en a un autre. On pourra farmer, je pense, des trucs comme ça. Récupère un petit peu la pierre. Donc là il y a de la lave juste au dessus. La TNT c'est juste pour le délire ou si je la fais péter ça me déclenchera quelque chose de cool. Allez, on essaye. Ah j'ai pas de déclencheur. Zut. Peut-être que c'est la TNT piégée. Oui c'est de la TNT piégée. hop. Ouh la vache, ça m'a droppé plein d'XP. C'est cool ça. Ce serait pas de la lave que je joue au dessus. Waouh, tout l'XP, excellent. Ok, d'accord, bah beaucoup de comment s'appelle de charbon qui plus est, donc ça c'est bien. Bah écoutez, hein, je vais continuer à te faire péter ça alors. Nice. Hop, c'est cool. Ouh, ça par contre j'aime moins. je récupère ce que je peux avant. Voilà. Bon bah, ça par contre j'aime moins. faire assez attention avec ça. Juste poser ça comme ça. Si je pouvais au moins contenir la lave, voilà. Parce que je vois un truc au-dessus et j'ai envie d'aller voir ce que c'est en fait. Là. Tac. Et je me sers de ça du coup pour monter. Allez. Garde, cluster. Beaucoup de lave. Ouais. Ok, rien d'intéressant en fin de compte, à part du charbon un peu quoi. Bon, je lui c'est ça. Tant pis, rien d'intéressant en fin de compte. Je pensais qu'on aurait mieux. Bon, en tout cas, c'est cool. Du coup, on a pas mal de charbon. Beaucoup de pierres de pierres de cobalt. on a aussi des spawners qui peuvent nous donner du stuff un temps soit peu intéressant. J'ai essayé de récupérer un tout petit peu de charbon. Et comme ça, bah, on continuera juste après. Ça me permettra de me faire plus de torches. Et du coup, de mieux affronter les prochaines zones. Bon, du coup, j'ai récupéré pas mal de charbon, ça c'est cool. Je vais faire des torches vite fait pendant que j'y pense. Mon casque en or est presque mort en fait. Je crois que j'avais mis ce que je viens de mettre. Ça, j'aurais. Non, je vais laisser ça là, je reprendrai quand je reviendrai ici prendre du charbon. Bon. Ok. Du coup, bah, au fait, ouais, on va retourner là où j'étais précédemment.
Le melon, c'est cool parce que c'est facile à avoir, mais il faut en manger beaucoup et souvent. Donc c'est dommage. Alors, le store ici, j'ai laissé. Donc, ouais, j'ai pris un petit peu du stuff. Tiens, l'enclume ici, j'avais pas pris. Ici, il y a pas mal de trucs qui sont sympas. Ça, je peux laisser par contre. Mais genre, par exemple, ça, je peux prendre. Waouh! Elle est excellente cette épée là. Bon, par contre, elle va pas durer longtemps, mais je vais la prendre quand même avec moi. Un petit peu de nourriture, tout ça. C'est quoi? Speed 2, blindness, régénération. Ok. Et ça, je vais prendre, ça me permettra d'utiliser ça à la place. Ça, je repose en fin de compte. Ok, bah c'est cool. Toujours pareil, hein, entre. Enfin, comment dire. Je vais faire pas mal de trucs hors caméra. Je vous prends un cache. Hein. Et j'ai déjà commencé à le faire. De toute façon, parce que j'ai ramené pas mal du stuff qu'il y avait dans le coin à ma base. Des enclumes, tout ça, genre par exemple ici vous voyez, enfin là c'est des trucs que j'ai pas pu ramener, mais il y avait pas mal de trucs sur cet étage là, et je les ai déjà ramenés. Ici c'est pareil, j'ai tout vidé. Salut, ça va? Waouh. Elle est 10 fois mieux que les autres épées celle-là. Bon alors, on va continuer un petit peu par là. Alors déjà on va reboucher ça vite fait, voilà, parce qu'au moins ils m'embêteront pas. Ici il faut que ce soit un petit peu mieux éclairé à la limite. Dans l'histoire, j'étais pas allé voir ce qu'il y avait en bas, Sharpness, ok. Comment t'as fait pour venir, toi? C'était bloqué pourtant. Oui, par contre, elle est pas bonne pour les creepers cette épée là. C'est dommage. Donc, ça veut dire que j'ai pas bien bloqué en fait, tout simplement. Voilà. Ouais, d'accord, en fait, c'est ce que je lui ai offert un chemin. Oui, bien joué. Bon, c'est pas grave, au pire, c'est juste censé diminuer, mais c'est pas censé les stopper non plus. Et du coup, en bas, il y a du squelette. J'ai envie d'aller voir. Tiens! Voilà! attaque ninja. Ok, un chemin par là. Waouh, il y a plein de nourriture ici, c'est cool ça. Il nous offre beaucoup de nourriture. Non, ça, je peux pas stacker là. Je peux. D'accord, bah en tout cas, c'est cool. Je viendrai prendre de la nourriture ici. Les lits, j'ai peur qu'ils me pètent à la tronche, donc dans le doute, je vais pas les toucher du tout. Je vois du verre, mais je vois plein de blaze. Oh la vache. Non. non. Mais je vois plein de verre en bas. Salut. Voilà. Bon à tous. Merci. J'ai posé une lumière. J'en posais une là. Si je peux péter ça à la limite. Tac. Salut. Ça va? La pêche? Tranquille. Ça spawn beaucoup. Voilà. J'aimerais bien péter le spawner qui est ici déjà pour commencer. Voilà. Ils m'ont l'air de venir de là-bas. Si je charge un peu, je peux les atteindre. Enfin, je peux leur couper le passage. Voilà, hop, et ça on va utiliser. Voilà, que ça soit aussi, on va supprimer. Tac. Beaucoup de blaze en bas. La laine. Excellent, c'est la laine. J'ai de la TNT sur moi encore ou pas? Non, j'ai ramené à la base. Parce que si je fais un trou dans le sol et que je largue une TNT, je peux péter le spawner. Je vois un coffre là-bas. Je pense que c'est ce que je vais faire, ouais. Bah tiens, attention, par le pouvoir du montage, on va se retrouver dans 2 secondes et j'aurai de la TNT. Attention, abracadabra, et bim, c'est magique, j'ai de la TNT. Donc du coup, en fait, vu que je suis parti à chercher, il y en a qui ont despawné. Donc je vais te tracer, hop, les salut les gars, ça va? Salut, tranquille, va falloir que je pose un bloc juste par contre. Tac, tac, pif. Tiens, attendez, on va pouvoir voir ça de loin. Boum, voilà, a pu. Ça c'est nice. comme ça je récupère. Voilà, ça je repose. Ça aussi. Tout ça on va récupérer du coup. Au pire s'il y a d'autres blaze, et bah je mets de la. Comment ça s'appelle? Ah tiens, il y a des spawners par contre. Elle est super cette épée là. Ouais. Tiens, tiens, meurs, tiens, tiens. Elle est super cette épée en fait. Et ouais, en fait j'allais dire, au pire s'il y avait d'autres blaze, j'utilisais une faille résistance, mais de toute façon il n'y a pas besoin. Et du coup bah voilà, c'est déjà la laine. Hop, alors. Waouh. Il nous offre du stuff de fou. Ah ok, d'accord. Je piche pourquoi maintenant, mais quand même. C'est un stuff de malade ça. Je sais même pas trop quoi récupérer, tiens. J'ai même pas de place pour la laine. Je vais reposer. Tiens, voilà, cadeau. Hop. Je vais reposer ça. Bon bah du coup c'est cool. Bah écoutez, on va récupérer. Tiens, à la limite, je peux manger ça. Ça me libère une place aussi pour que j'y suis. Voilà. Comme ça, bah je peux récupérer ça. Oui. Non, tiens, d'ailleurs, je peux même pas. Juste ça par contre. Non, ça allait plutôt. Ça c'est mieux.
Voilà. Et on va récupérer du coup la laine. Hop, attention, laine orange. Bah écoutez, c'est cool. On va récupérer 4. Et 4. Hop. Le reste, je laisse au cas où, du coup. Bah je vais ramener ça à la base, du coup. À la limite, tiens, je vais la ramener jusqu'à la base. Je vais filmer en même temps. Parce qu'on sait jamais, je peux très bien mourir entre temps, et du coup, ça serait dommage. D'ailleurs, en fait, j'aurais pu mourir sur le retour parce que j'ai un petit peu galéré à passer là. j'espère que je galérerai pas autant. Pour la vue, ça a l'air d'aller. Non, ça va. Bon, c'est cool. Alors, bah, première laine déjà de récupérer. Du coup, bah, je pense pas m'arrêter là, juste aller ramener la laine à la maison. Par contre, je vais revenir directement dans cette zone-là, parce que ça, on n'a pas exploré, et là-bas, on n'a pas fini non plus de récupérer ce qu'il y avait. Donc, on va y revenir avant d'aller voir les autres laines. J'ai envie de faire la map proprement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, je regardais Team Canada jouer sur cette map-là, plus ou moins. Enfin, je regardais plus ou moins, c'est-à-dire que... comment dire, généralement, j'essaie de pas trop me spoiler non plus la map, ce que j'avais envie d'y jouer depuis le début. Mais les trois quarts des trucs, enfin, généralement, vous voyez, je jouais... sans regarder la vidéo, c'est à dire que je mettais ça en fond sonore en fait, surtout pour le délire, mais bon, ça m'arrivait du coup quand même de regarder malgré tout un petit peu ce qu'ils faisaient, et les mecs rushaient quand même comme des malades et prenaient pas, enfin, ils ont pas vraiment pris leur temps pour récupérer tout le stuff qu'ils nous donnent en fait, et c'est ça qui est dommage, parce que sinon ils auraient pu, en fait, si vous voulez, ils galèrent quoi, et quand vous regardez les vidéos de ISO, Vintage Beef et Post dessus, du coup, en fait, ils galèrent simplement sur cette map, et alors pourtant les, enfin bon, j'en suis qu'au début, pourtant je la ferme, mais pour le début elle est pas excessivement dure non plus. Voilà pourquoi j'en ai récupéré 4 au passage, et j'ai juste posé ça là en attendant d'avoir le monument. Bah écoutez, c'est cool, je vais terminer de ranger ça et du coup on va retourner s'occuper du reste de la zone. Donc ouais, comme je disais, du coup j'ai envie de prendre mon temps pour bien l'explorer, du coup cette map, et la faire proprement et pas la rusher quoi. Ça j'ai gardé sur moi quand même au cas où, je gardais des blocs. Bon, et bah dans l'histoire du coup ça aura fait un épisode complet, une laine pour cet épisode. Bah du coup je vais m'arrêter là pour cet épisode en tout cas. Au prochain épisode je pense qu'on y retournera, ou alors peut-être que je ferai ça hors caméra. Tiens, essayer de récupérer en tout cas ce que j'ai laissé. Par contre sur caméra, clairement j'explorerai le reste de la zone que j'ai pas encore exploré. Et ensuite on pourra s'attaquer du coup à une prochaine laine. Je crois que c'est... Attendez, j'ai pas fait gaffe. Je crois que c'est bleu clair et magenta les deux autres. Là-bas on a orange, magenta. Ah non, blanc d'ailleurs. Évidemment c'est bleu clair en fait souvent dans les premières. Donc bah écoutez, on fera une des deux au choix. Hein. Mais on commencera par retourner ici. Du coup on attendrait, bah j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Salut !